Bonjour, madame. Oh, bonjour, Montana. Comment ça va? Bien, vous? Oh, ça va bien. Tu t'en viens pratiquer dans le laboratoire ouvert aujourd'hui? Oui, je m'en viens pratiquer mes injections intramusculaires. Ah, OK, parfait. OK. On s'installe? Oui. OK, qu'est-ce que tu commences avec, Montana? Je vais lire mon dossier pour savoir le nom du patient, l'ordonnance du médecin, puis c'est que le patient a des allergies. Ah, OK. Parfait. Et qu'est-ce que tu aimes les dossiers que nous avons dans nos laboratoires pour pratiquer? Oui, que je trouve pas mal similaire au placement. Okay. Puis on est capable de savoir puis faire une like, an association to it. Oui, fait qu'on simule très bien la réalité. Ouais. Vérifie la dernière fois que le médicament a été donné, etc. Une petite différence. OK. Je vais aller vérifier notre mannequin pour faire certain qu'il a le site pour donner les injections. Suivez-moi. Ici, fait que nos mannequins ici ont des coussinets qu'on peut installer dans les bras ou que l'étudiant peut pratiquer l'injection. Fait comme professeur, à temps plein, c'est ma responsabilité de faire certain que les mannequins sont prêts. Il y a aussi la possibilité d'avoir des coussinets sur les cuisses et l'abdomen, dépendant où l'injection va avoir lieu. Fait que Montana va faire son injection dans le bras, dans le deltoïde, fait qu'il est prêt à donner l'injection. OK, fait que si je vois que tu as plusieurs seringues et d'aiguilles, comment est-ce que tu choisis lequel je vais prendre? Ça dépend de cette injection puis le montant qu'on va donner. Puis tu as pris cette information-là où? Des classes, puis surtout dans le dossier. OK, fait que le médecin t'a dit quoi? Pour celui-ci, on prend une injection, une seringue de 3 ml. Puis une aiguille de 22 gauge, puis une et demi d'un pouce. Okay. Ça, c'est approprié pour le site que tu as choisi pour ça. Fait qu'ici, on a plusieurs aiguilles, différentes grosseurs. Fait que c'est une décision que l'étudiante doit faire quand elle prépare ses injections. Fait qu'il y a différentes seringues, puis des différentes aiguilles. Puis Montana a choisi la bonne seringue et la bonne grosseur d'aiguille pour son patient aujourd'hui. OK? Puis pour le deltoïde, c'est une injection seulement de 1 à 2 millilitres. Parfait. OK. Ici, tu as ton médicament. J'aime la seringue. Nous avons aussi des coussinets, des injector pads. Est-ce que tu as pratiqué avec les injector pads Montana dans l'arme? Oui, puis on les utilise pour simuler c'est pas mal similaire à cette injection. Oui, ça file comme du gras définitivement. Fait qu'on en pratique beaucoup avant d'aller en stage? Oui. Oui, hein? Beaucoup de pratique. Parfait. Et puis, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu aimes du programme? Moi, j'aime à barrière à cause que c'est bilingue. Puis, je me sens confortable plus à m'exprimer en anglais. Puis, c'est plus facile pour moi aussi. Puis, aussi, j'aime aussi qu'on a les placements, le hands-on aussi. Mm-hmm. Puis, j'aime être avec les résidents. Mm-hmm. J'aime beaucoup les placements. Vous avez des placements à la deuxième étape, troisième et quatrième, parce que le programme est de 2 ans. Fait que tu es présentement à la troisième étape du programme, fait qu'il te reste le prochain semestre et par la suite, tu vas faire ton préceptorat, écrire ta licence et puis tu peux être sur le marché du travail. Mm-hmm. Fait que tu vas te sentir prête quand tu vas arriver vers la fin. On a besoin encore beaucoup de pratique à ce point-ci. Mm-hmm. OK. OK. On va aller voir notre résident. Étudiante dans le programme de soins infirmiers auxiliaires à Collège Montréal. Je suis ici pour vous donner une injection. Est-ce que je peux vérifier votre bracelet? Oui. OK.
Est-ce que tu peux me dire votre nom et votre date de naissance? Chad Lemieux, le 26 avril 1970. C'est bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pas trop pire. J'ai hâte d'avoir mon médicament. OK. Je vais juste nettoyer le site d'injection puis je vais administrer le médicament. Ça va pincer un peu. Eh bien, juste mettre un pansement. Mm-hmm. Fait que si tu l'aurais fait sur mon bras, Montana, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans le programme. Évidemment, on ne pratique pas sur soi-même. On pratique sur les mannequins. Évidemment, ici, tu ne feras pas d'injection sur ton professeur, mais on peut quand même faire montrer l'endroit que tu le ferais. Okay, so, du début du muscle, j'aurai trois doigts, puis l'injection va être dans tout ici. Okay. L'injection sera dans mon muscle, évidemment. Je vais pincer le muscle avant que j'ai une bonne pince à injecter. OK. Fait que la technique a été bien pratiquée. On veut continuer à pratiquer autre chose. Y a-t-il d'autres pratiques que tu vas faire aujourd'hui? Les cathéters aujourd'hui. Ah, OK. Peut-être que ça sera une autre vidéo la prochaine fois. OK. Merci, Montana.